Nous sommes en direct avec Maxence qui nous a rejoint, pardon, association. C'est association Sinnes, je prononce bien ou pas? Alors, on t'a pas bien entendu, si tu peux parler un petit peu plus fort. C'est ciné. 6 mai. Non, ciné. Sinest, ok, c'est compliqué. Pourtant, t'es pas loin. Tu es de Sommières. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce Oui. week-end, le 7 septembre 2024, 17h30, minuit, grosse manifestation culturelle. Exactement. On va réunir plein d'artistes pour un événement le plus grand possible pour justement ce festival. Et alors, justement, on parle des artistes, si je me trompe pas. 40 artistes de 11 à 24 ans, c'est ça aussi la spécificité de la chose? Exactement, on a demandé à plein d'artistes de venir, donc des jeunes artistes, de venir montrer leurs arts. Donc on a autant du cirque que de la musique, que des peintures, et tout fait par des artistes de 11 à 25 ans, du coup. On a fait d'abord une première campagne pour les amener vers nous. Et maintenant, on travaille avec eux depuis maintenant plusieurs mois pour arriver à ce résultat que vous verrez du coup samedi. Alors, ça a lieu à Sommières. Si on devrait situer, si les gens ne connaissent pas Sommières, ça se situe où exactement Sommières? C'est entre Montpellier et Nîmes, à la frontière entre l'Hérault et le Gard, donc pas très loin de Lunel. Et ça, c'est un festival 100% culturel. C'est plutôt pas mal pour la rentrée. Alors, bien sûr, c'est un festival qui va avoir lieu où? À l'intérieur, en extérieur? Donc normalement, ça se passe à l'extérieur et aussi à l'intérieur. On a une salle polyvalente à Sommières qu'on va utiliser pour de la musique à partir de 22h, mais aussi pour de la représentation, donc de la danse, de la déclamation de poèmes, etc. Mais aussi en extérieur avec la cour de l'espace Laurence Durel qui se trouve au pied du château. Et c'est des musiciens qui vont se représenter là-dedans avec aussi des représentations des artistes, des peintres qui vont venir peindre en direct, d'autres qui emmènent leurs peintures pour les montrer. Et aussi des ateliers qui auront lieu dans cette cour de l'espace Laurence Durel. Alors là, ça va être absolument fantastique. On rappelle, puisqu'on te voit à l'image, Maxence, tu as l'air relativement jeune. Quel âge tu as? J'ai 18 ans. Ben voilà, 18 ans. Regardez bien, c'est une grande première, puisque c'est le premier festival qu'ils organisent. Parce que quand je dis, il n'y a pas que toi, bien sûr, je suppose qu'il y a aussi pas mal de personnes qui t'aident à organiser tout ça. Mais dis-moi, 40 artistes avec, tu l'as dit, de la poésie, des concerts, des spectacles vivants, des expositions, ça doit être un casse-tête chinois pour sélectionner tout ça. Exactement, on avait eu 46 candidatures, on n'en a gardé que 42. On a dû choisir exactement ce qu'on voulait au départ pour notre projet, qui a une cohérence un peu parce qu'on voulait que ce qu'on voit ait un rapport avec ce qu'on entend dans différents espaces, etc. Et du coup, j'ai été aidé d'une équipe qui est composée aujourd'hui d'une trentaine de personnes, mais il y a vraiment que 6 personnes qui travaillent tout le temps sur le projet. Donc moi, je suis le président, Maxence. Il y a Luna qui s'occupe des artistes et qui est secrétaire de l'association. Il y a Mathis Ruffino qui fait partie, enfin il est trésorier de l'association et fait par exemple la gestion du matériel. Et on a demandé à une association qui s'appelle Radio Sommières, qui est une radio associative à Sommières, de nous épauler sur ce projet parce que nous on ne sait pas trop faire, on a entre 18 et 20 ans. C'est la première fois qu'on fait ça. Et là, eux ils nous ont donné l'expérience, les contacts et plein de choses qui nous ont été très utiles. On espère que ça va être un grand succès. On rappelle que pour faire un événement comme ça, il ne faut pas uniquement se retrousser, les manches. Il y a des institutions qui vous ont, soutenu. Exactement, on a fait un appel à Projet Jeunes. Donc, on a été soutenu par la CAF, par la MSA, le département et la communauté de communes de Sommières. Donc, on les remercie beaucoup parce que sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Et la mairie de Sommières participe aussi ou pas?
Elles participent en nous donnant du matériel, par exemple la scène extérieure qui est prêtée par la mairie des Toulousaines et d'autres matériels dont on a vraiment besoin. Dollars en veux-tu, en voilà. C'est tout ce week-end avec un magnifique soleil, on l'espère en tout cas. On Les espère. gens, on l'a dit, il y a de l'exposition là. Cette idée de réunion culturelle qui vise essentiellement les jeunes, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour qu'ils se mélangent, pour qu'ils s'échangent peut-être des dons artistiques. C'est venu de quoi cette idée? En fait, c'est venu du fait que, avec du coup Luna, Matisse, mais aussi d'autres comme Milo, Maë et tous les membres du staff, on se connaissait avant parce qu'on est amis et on est tous artistes. On a tous ressenti à un moment un besoin de s'exprimer, un endroit où s'exprimer et de rencontrer d'autres artistes qui puissent nous apprendre un peu le métier, mais aussi d'autres choses, juste faire des rencontres aussi artistiques. Et on a voulu créer un endroit où on pouvait avoir cette rencontre artistique avec plein d'arts différents parce que c'est aussi intéressant pour un musicien de rencontrer quelqu'un qui fait de l'art avec de la peinture, un sculpteur avec un dessinateur, etc. Et on a voulu créer cet endroit et c'est parti de là. Qui sont bons ces jeunes, qui sont forts, en tout cas ils sont à sommaire ces organisateurs-là. C'est le festival Sinnes, je ne sais pas si j'arrive bien à le prononcer, en tout cas c'est le premier. Je vais te laisser le dire, tiens vas-y dis-le. Finesse. Sinnes, c'est le premier C'est finesse. festival, on va dire ça, un mélange culturel à 100% avec, et là C'est c'est ça. aussi quelque chose, on vous invite à y aller parce que c'est à la rencontre des jeunes artistes et ça c'est toujours pas évident et heureusement qu'ils l'ont fait. Ça va se situer à la salle polyvalente 245 boulevard Ernest François à Sommières. Et puis il y a aussi une partie, alors là ce qui est bien c'est que s'il fait pas beau on pourra se regrouper à l'intérieur et puis s'il fait beau on pourra profiter aussi de l'intérieur et de l'extérieur. Exactement, exactement. Et tout qui est prévu, si jamais il pleut, il y a quand même des salles qui sont attribuées pour avoir quand même du cirque, avoir quand même de la poésie, avoir quand même un ensemble d'art pour que ce soit cohérent. Alors, si les gens ils veulent venir, les gens ils se posent des questions, ils se disent c'est gratuit, c'est payant, comment ça se passe? C'est prix libre, donc on a choisi de mettre une boîte à dons à l'entrée et si vous voulez donner, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas, ben, c'est pas grave, il y a d'autres moyens de nous soutenir juste en venant profiter, les jeunes artistes, ça nous soutient énormément. Voilà, mais ça aussi c'est une idée, puis ça marche bien en ce moment, il y a beaucoup d'organisateurs qui font des systèmes comme ça, bah, ceux qui peuvent pas, mais ils peuvent aussi quand même se mélanger culturellement parlant, parce que c'est de la culture pour tous, et ça c'est important. Niveau parking, stationnement, ça va être compliqué à Sommières ou pas? Dans Sommières, il y a plein d'espaces de parking et devant l'espace Laurent Durel, il y a un énorme parking avec des graviers au sol, donc il n'y a pas de problème, je pense. J'ai bien vu qu'il y avait aussi un numéro de téléphone. Si les gens ils veulent plus d'informations, il faut qu'ils fassent un 07, c'est ça? Ils peuvent appeler soit le 07 70 21 80 40, qui est mon numéro personnel pour justement. Si vous voulez des questions, si vous avez des questions ou quoi. Et sinon, il y a l'adresse mail de l'association. Si vous voulez des informations, si vous êtes un artiste, que vous voulez participer l'année prochaine, etc. C'est contact.sines@gmail.com. Vous savez tout, mes amis. Je vous rappelle aussi que Maxence, en participant à cette interview, il participe à notre jeu concours. Vous le savez, comme chaque jeudi soir, je vous rappelle que si vous voulez qu'on envoie nos caméramans et nos journalistes directement sur place pour leur faire un beau reportage, il vous suffit de voter le chiffre que vous voyez en haut à droite de l'écran, le chiffre 3, et que si, et bien sûr, si Maxence atteint le maximum de votes, nous serons ravis d'envoyer une équipe de journalistes sur place pour lui faire un magnifique reportage, et en plus, on lui offrira ce reportage-là, puisque vous l'avez bien compris, c'est la première, et qu'il y aura forcément une deuxième qui va arriver bientôt. C'est à Sommières, les amis. N'hésitez pas, 17h30 à minuit, c'est ce samedi. Merci beaucoup, Maxence. Merci à vous.